Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquidosol 666 pour l'épisode 12 de Max Payne 3. On y retourne, donc on va aller la chercher. Giovanna and Marcello thinking going in there by themselves. Guess their plan was no more idiotic than mine, and I couldn't really fault them for losing faith in the Broncos' security. Schmidtone. Just check this. We need to get out of the open. A barely recovering alcoholic and an unarmed pregnant woman. We were hardly a SEAL team. I put our life expectancy at 5 minutes. Hey, if we were lucky. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Tiens, c'est dans quel jeu ça où on fait ça tout le temps? Ah oui, dans Resident Evil. Ou dans les Uncharted aussi. On le fait souvent. Giovanna was a brave girl. She wasn't giving up. I guess that meant neither could I. Ouais. Il a raison. Ça va être compliqué, ça. Oh là là, ils sont tous les côtés. Oh! Ce genre de scène, c'est one shot, hein. Ok, faut que je retrouve un fusil à pompe. J'étais là et il y avait un fusil à pompe par terre. En effet, j'ai une bonne mémoire. Je sais pas s'ils étaient venus avec des fusils à pompe. On va prendre ça. Micro. I was getting good at this. Sympa ce petit truc là. C'était bien fait. Ouais, je suis d'accord avec Max. Fusil à pompe, c'est la meilleure arme quand ça... Quand ça consiste à... Ouf. Voilà, ça j'adore. Quand ça consiste à tirer au jugé. Enfin, quand il faut tirer au jugé, parce que quand ça consiste, ça n'a pas grand chose, ça n'a pas grand sens. J'étais magnifiquement bien agencé les mouvements. Par contre, là j'ai foiré. Mais avant de mettre à sauter, descendre un mec, c'était pas mal. Puis je crois que il lui manque un peu une partie importante du cerveau. Oh oh. Je vois rien. Forcément, j'en suis mort. J'aurais dû ouvrir les yeux, peut-être, je sais pas. Alors là, c'est. Un. Mais j'arrive pas à viser correctement là. Oh!
La queue basse. Je crois qu'on est en mode ralenti, il a abusé le fusil à pompe. Non, attends, moi je vais faire mon petit tour des cadavres là. Puisque bon, j'ai plus de munitions de quoi que ce soit. Non, c'était pas ce que je voulais prendre. Pas grave. Ah, voilà ce que je voulais prendre. C'est quoi ça? Ça avait l'air d'être un phal. Ah ok, en fait il venait dans notre dos. Je comprenais pas trop. Y'a rien là-dedans? Si. Je veux pas non plus les utiliser tout de suite. J'attends de me prendre encore une balle. Ah ouais, attends, je vais fouiller ça de m'avoir une arme en or quelque part là. Putain, ça fait long sans une arme en or là. Il y a encore des médocs. Ça c'est fermé. Ah bon? Ah ouais. J'analyse et je tire. J'adore comment il tient son arme. Quand il est comme ça là. Hop. Je sais pas où est la grenade, dans le doute. Je recule. Dans ton pied. Faut prendre lancer des grenades, mec. La classe, on est en allongé. En tout cas, là, j'ai pas été très efficace. Our day had started with us hiding in filth and got progressively worse. My luck was running true to form, or rather, I was running true to form. Hop. Ah, fusil à pompe. Le gars il arrive à prendre une arme en faisant une roulade. C'est dans Uncharted aussi où il fait ça. Enfin bien entendu on est un peu plus lent façon de parler qu'Uncharted. C'est plus Raïs, le personnage est plus posé, plus lourd. Oh c'est sympa ça, il peut mettre un micro Uzi dans son holster. On va reprendre. Sympa le petit logo qui nous indique bien involontairement que l'on va reprendre. Pouf, il s'est pris qu'un seul plomb mais ça suffit pour le tuer. Je peux rien faire. T'es dans un escalier, t'es bloqué, tu veux faire quoi? Hop. Tu es déjà? Ah, je l'ai pas touché là. Et là, je l'ai pas touché. Thank you.
magnifique frag en me relevant là. Ça ne voudra jamais la scène dans l'épisode, je crois, 5 ou 6, peut-être 7, où j'ai tellement été mauvais que le jeu à la fin me donnait carrément 3 analgésiques, 47 munitions. Je sais pas pourquoi je dis 47 à chaque fois que je veux dire un truc énorme et dénué de sens tellement c'est énorme. Je dis tout le temps 47. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'attends Hitman, mais ça m'étonnerait. Tu es mort ? Au moment où j'ai tué le mec, c'était le double kill. En fait, je comprends pourquoi il compte qu'il y a autant de balles tirées, etc. Parce que à chaque mort, il les compte. Hein. Et d'un. Allez, comme je t'ai esquivé ça. Il y a un petit flash en fait à chaque fois qu'on tue quelqu'un. Pour un peu, on avait un peu le même effet dans Red Dead. Allez, la dernière balle est pour toi, mec. Finalement, elle fut pour lui. Heureusement qu'il me reste encore un analgésique. Là j'ai fait n'importe quoi sur la fin. Mon saut totalement raté a failli me coûter la vie. Enfin j'ai l'habitude mais... Ils ont tous des fusils d'assaut, moi je veux pas de fusils d'assaut, je veux des fusils à pompe. Je crois que je vais pas avoir le choix d'utiliser un fusil à pompe. Un phal je veux dire. Ah, arme d'assaut, arme... Ah bah tiens, c'est en plus c'est cette arme là. Oh. Ouais. C'est ce que j'allais dire tiens, je suis mort. Ah bah tiens, lui il a un fusil à pompe. On dirait que j'aurais dû me balader quand même avec une arme qui avait des munitions au cas où. Comment tu parles ? Sympa le dialogue ou le tir réflexe. Des fois on n'a pas les voix, c'est, je pense que dans pas longtemps il y aura une mise à jour pour ça. Parce que le jeu n'est pas encore sorti donc forcément. Le gars il a une vie à la main. Oh là, il y a un gros délire dans les sous-titres qui sont en retard. J'avais déjà une imp... Comment... Je viens d'avoir une impression de déjà vu, c'était trop space. Don't worry, moi je sais ce que je fais. Cuidado. Putain, c'est marrant, on dirait qu'elle parle espagnol. Ça tirait sur la bagnole à côté. Ah,
Ça va, c'était bien. Pas mal pour un drive-by. J'avoue, là, il a pas tort. Comme il est trop gentil avec elle, quoi. Elle fait n'importe quoi et tout, lui. Il se met en... il la protège de l'accident. Et là, il est où? Il passe à travers le pare-brise. Ou il est KO. Ah, il est encore vivant. Parce que c'est Max Payne, il est increvable. Là, 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 là. Oups. Tiens, d'où je sors cette arme? Les traductions sont un peu foirées, je trouve. Hein. Autant c'est marrant au niveau des noms des défis, des trucs comme ça. Autant au niveau traduction de ce qu'il dit, c'est loin d'être très proche. C'est, on va dire... Oh là là, mais ça, moi je suis nul. C'est dans l'idée de ce que veut dire Max ou les personnages. Mais c'est pas super proche non plus. Mais genre le mec il est là et le jeu là il est... Je viens de me taper une chute de framerate qui est énormissime. Là je voyais rien où je visais, c'était génial. Ah j'ai munitions limitées en fait. D'accord, c'est du rail shooting mais version... Là je vois pas où je tire quand je fais ça. Saleté. Oh, je lui ai mis un tir au jugé. Hop là. Faut moins les malins là. Putain, et c'est pas dur, mais... Ça envoie du pâté là. MD967L, ouais. C'est pas le fal. Ça c'est bizarre, le fal et cette arme là je trouve qu'elles se ressemblent vachement. Et voilà, fini la partie 2. De toute façon je sentais qu'on allait pas être loin de la fin de la partie 2. Parce que fin de partie 1 chapitre 5, fin de partie 2 chapitre 10, et fin de partie 3 chapitre 14. S'il y a 14 chapitres, je crois bien. Quel fumier? Quel enfoiré! Alors là, je suis étonné. Je m'attendais pas à ça. I thought the two of you worked for Rodrigo Branco. So? Did you get paid by Victor? Victor? No. Well, Raul Pasos did. 6 times. Putain. Je sais pas que... Autant Raul... Je trouve ça dégueulasse. Hein. Why? I don't know, my guess is to meet you. But why? I don't know, maybe he liked you. Maybe he thought you needed a break. That's funny. I don't know, maybe... Oh. Wanted some dumb gringo to come down here to shoot things up and maybe to take the watch for Rodrigo when he got shot. I don't believe that. Why? Because you're not a dumb gringo? Or because you are? No, I have no fucking clue anymore. Putain, c'est trop compliqué là. En qui doit-on avoir confiance? Qui ne doit-on pas avoir confiance? Doit-on avoir confiance en lui, dit-il la vérité? Doit-on avoir confiance en Passos? Ok. Let me ask you something. What? But what is it that you really thought that you were doing down there in Panama? Hmm? And don't tell me you're so naive as to think you were just down there guarding a woman. Tiens, encore un flashback. I know what to say.
I had been so loaded in Panama, I could scarcely remember my own name. I know things have got real heavy. Chapitre 11. Panama had been my second job with Passos. The first had been easy, money for banging waitresses at some fancy wedding in the Caribbean. This seemed like another easy gig. It was the middle of the day, and like any self-respecting idiot, I was half. C'est Marcelo, ça. Some ways. Hey, come on, it's awesome. Everybody's drunk. Listening to house music. Most of them have plastic surgery and they're all doing blow. I guess it is kind of like. I know. I hope you're not drinking on the job, gentlemen. Kidding, I hope you are. Just stay off the air, hmm? I don't have enough to share. I'm kidding again. Oh, Mikey. Even though we just met, I feel like we are good friends, you know? N'importe quoi. I feel like safe with you guys. Know that. Real safe. That's great. And I love New York. The East Hamptons. Do you know it? Not really. I spent my honeymoon in Montauk. Oh, where's that? It's just down the road. Whatever. Last time I was there, I got so wasted, I nearly shit myself. I didn't know you were married. Yeah, well, my wife passed away. Good. Not good. Bad. Il en a rien à foutre, en vrai. N'importe quoi. Totalement fait, quoi. Ah, les joies de la drogue. Les enfants, c'est très mal, hein, l'alcool. Ivrogne, quoi. On en a rarement fait des comme ça, hein. Ah ouais, là c'est le blackout total. C'est un Glock, ça? Je peux le temps de bien voir là. Ouais, si ça a l'air d'être un Glock. Et ouais, c'est ça. Hep. Encontré uno de ellos.
T'en veux encore? J'hallucine. Ça, ça s'appelle un tir de suppression, mes amis. Hop. D'accord, je la cadre à la fin de la scène d'action, j'ai compris. Non, mais je vais pas aller loin avec seulement un pistolet auto. Ah si, je m'en suis fait deux là. En fait, il y a plein de trucs quoi. Non, dans chaque pièce, il y a un indice. Enfin, ce qu'ils... Oh les... Je suis en mode pistolet automatique. Mitraillette. Ah merde, il n'y a pas de drogue. Enfin, j'appelle ça des drogues, mais... C'est des médocs. La musique est bien sympa, là. Il doit bien y avoir des trucs qui explosent là-dedans. C'est tendu. Tiens. Ralenti time. Bullet time. J'ai utilisé tout mon ralenti pour rien. Si, pour me rendre compte que j'aime vraiment pas cette arme. Ah, j'ai gagné. Et aussi pour me rendre compte qu'elle utilise les mêmes munitions que le Glock et que... The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto, psychos with a dream, that sort of bullshit. Et hier j'ai appris que la psychopathie c'était une maladie génétique et c'est en fait le manque d'un gène, enfin un gène qui colle mal, le gène dont j'ai oublié le nom, merde. Et en fait résultat c'est déjà à la base c'est juste l'absence de remords. Et voilà. The room belonged to Passos, my partner in crime. The bed was made. I could only guess that Passos was upstairs in the thick of it, whatever it was. Sympa la petite blague. Là, il y avait rien à examiner. D'accord. Pourquoi il marche tout lentement? C'est chiant. Il y a des post-it de partout. Booze, coke, pills. You could get whatever party. Ah, je savais pas qu'il touchait à la coke aussi. This was where Marcella was supposed to be sleeping. Passos had the name of the bar where I was drinking my life away. I should have put things together then instead of waiting for De Silva to walk me through it real slow. Putain ouais. Allez, on y va. Waouh waouh waouh. À la place de cette merde. 608 boules. The radio. Maybe I could send out an SOS. Féminin de SOS. Cellular de SOS. Massage in a bottle. Ça c'est l'espagnol. Certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover long after a party had turned sour. Et on s'arrête là parce que je viens de voir qu'il est pile 29:37 ou un truc dans le genre. Et donc j'y vais, enfin j'y vais. Je stoppe cette vidéo et là je viens de faire tomber ma manette, ce qui explique le gros bordel. Ah, on peut bouger la caméra pendant la pause. Ouais, je viens de le découvrir en faisant tomber ma manette. Allez, à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, aimer et vous abonner.